À votre avis, c'est quoi ce bruit ? Bon, ok, on y reviendra plus tard. Fear and Hunger est un jeu vidéo particulier. J'ai pas vraiment d'autres mots pour le décrire. C'est pas un mauvais jeu, hein. Loin de là, c'est un jeu fabriqué par une seule personne qui a fait naître des chaînes YouTube, qui a fait naître des chaînes de podcasts dédiées, qui a 95% d'évaluations extrêmement positives sur Steam. Sans même avoir lancé le jeu, vous comprenez qu'il a probablement ce petit truc en plus. Donc oui, vous devriez y jouer, la vidéo peut attendre, mais il y a de très grandes chances que vous ne reveniez sur cette vidéo que pour m'insulter, parce qu'il y a de très grandes chances que votre première partie se passe à peu près comme la mienne. C'est-à-dire choisir un perso, apparaître dans la cour du donjon sans tuto, ni journal de quête, sans map, ni direction où aller, rien d'autre qu'un cheval décédé, que le jeu va vous proposer de frapper, ce qui va faire suffisamment de bruit pour attirer deux dogos qui vont vous bouffer. Et un retour à l'écran principal. Est-ce que vous connaissez le concept d'armure en scénarium ? En fait, oui, vous le connaissez forcément. C'est ce truc qui dit que quand vous allez voir un film, et que George Clooney est en danger de mort dans les 5 premières minutes, vous savez très bien qu'il n'est pas réellement en danger de mort et qu'il va obligatoirement s'en sortir. Déjà parce que c'est le gars dont la tête est en 4x4 sur l'affiche du film, mais surtout parce qu'à 14€ la place de ciné, le film ne peut pas durer 5 minutes. Et ce concept, on le retrouve aussi dans la plupart des jeux vidéo. Parce qu'après avoir acheté un jeu, on n'a pas envie que notre première interaction ce soit une mort violente suivie d'un retour brutal à l'écran de démarrage, mais Fear and Hunger, visiblement, n'en a rien à faire de l'armure en scénarium. Et apparemment va falloir s'y habituer parce que mourir sur un canidé en seulement 12 secondes alors qu'on a lancé le jeu dans sa difficulté la moins élevée, c'est quand même plutôt embarrassant. Cela dit, je vous l'accorde, c'était peut-être un peu court. Ma seconde partie était sans doute un peu plus parlante. La première étape, c'est de choisir un des 4 personnages. Il y a le mercenaire, il y a la chevaleresse, il y a le prêtre obscur et il y a le voyageur. Chacun d'eux a des stats, des capacités différentes, mais tous souhaitent rentrer dans le donjon pour la même raison. Retrouver le chevalier le garde. Soit pour le voler, soit pour le sauver, soit pour le tuer, soit... C'est compliqué, mais c'est la seule info qui nous est donnée. C'est visiblement le but du jeu. Faut juste trouver un gars et s'échapper du donjon. Ça peut pas être si compliqué que ça. On y reviendra. Quel que soit le personnage choisi, la partie débute toujours de la même façon. Seul, dans la cour du donjon de Fear and Hunger, sans tuto, ni journal de quête, sans map, ni direction où aller, rien d'autre qu'un cheval décédé qui attire notre attention. Mais cette fois-ci, on va éviter de jouer à piñata cheval pour plutôt directement rentrer dans le donjon. Bon, l'atmosphère est brillante. Brillante pour créer de l'anxiété et du désespoir. C'est exactement la direction artistique que j'attends à mon enterrement. Côté interface, on a une barre de vie, classique, mais aussi une barre de faim et de peur, d'où le nom du jeu. Et ces deux barres, elles se drainent continuellement, donc de façon tout à fait logique, pour éviter de mourir de faim, il faut se nourrir. Pour éviter de devenir fou, il faut consommer de l'alcool ou de l'opium. Et je vous l'accorde, c'est probablement la pire façon de résister à la folie dans la vraie vie, mais dans un lieu où la créature la moins effrayante, c'est ce géant qui est en train de me foncer dessus, ça se discute. D'ailleurs, j'ai pas réussi à le semer, le combat s'est lancé, et... pause, il faut qu'on parle de censure. La censure, c'est mal. Dans 99% des cas, c'est mal. Ici, la censure, c'est plutôt cool. Le garde que vous voyez actuellement n'est pas le véritable garde de Fear and Hunger. Disons qu'à la place de sa jolie petite jupe en cuir, se trouve normalement une troisième jambe. La version courte de l'histoire, c'est que Fear and Hunger est assez largement inspiré de Berserk. Donc la gargantuesque liste de trigger warnings qui accompagne ce jeu ne devrait pas être une surprise. C'est typiquement le genre de jeu qui donne envie de contacter un thérapeute et un des outils fréquemment utilisés, c'est la nudité. Une nudité qui n'est pas là pour rien, qui n'est pas là pour choquer gratuitement, qui est là pour créer un sentiment de malaise chez le joueur. Et entre vous et moi, ça fonctionne. Mais pour créer du contenu autour du jeu, bah, le petit mode de censure est obligatoire. Car sinon j'aurais pas pu vous montrer ce fort bien membré garde et j'aurais pas pu vous parler du système de combat de Fear and Hunger. Un système de combat basé sur la joyeuse notion de démembrement.
Là où dans les RPG au tour par tour classique, vous allez être mis face à de nombreux ennemis et allez devoir choisir dans quel ordre vous souhaitez les vaincre, dans Fear and Hunger, vous ne serez mis que face à un ou deux ennemis et allez devoir choisir dans quel ordre vous souhaitez les découper. Choisir le bras armé en priorité paraît être une bonne idée, mais les jambes pourraient le mettre au sol plus vite. Viser la tête directement est aussi une option, mais du coup, beaucoup plus risqué. C'est assez basique, assez facile à comprendre, mais là où ça devient rigolo, c'est que l'ennemi, il va faire exactement la même chose. Notre personnage est lui aussi composé de parties du corps et lorsqu'on perd, je sais pas, un bras, on le perd pour le reste de la partie. Et perdre un bras encore, ça va, on peut plus porter de bouclier ou d'arme à deux mains, mais en perdre deux, c'est déjà beaucoup plus délicat. Et j'ai probablement pas besoin de vous décrire ce qui se passe lorsqu'on perd ses jambes ou ses yeux. Alors, ça m'est pas arrivé sur ce combat, puisque j'ai réussi à tuer ce garde et donc pu récupérer en récompense le colossal montant de... absolument rien, en fait. Pas d'objet, d'argent ou de points d'expérience. Un bon gros, y a rien à voir ici, mon gars, retourne plutôt explorer. Et étonnamment, côté exploration, ça a été plutôt paisible en vérité. Je suis tombé sur un hôtel, j'ai prié et rien ne s'est passé. Ce qui est plutôt réaliste pour le coup, et quelques pas plus tard, j'ai même fait une agréable rencontre. Un personnage amical. Son nom c'est Buckman, il m'explique qu'il est tétanisé parce que le bien nommé Trortrur, le tortionnaire du donjon, le pourchasse. Il est juste en speedrun pour aller se planquer dans une chambre dans laquelle se trouve un lit, et le lit, c'est la ressource la plus précieuse de Fear and Hunger. Pas parce que dormir permet de se régénérer, mais parce que dormir permet de sauvegarder. Il y a aucun système de sauvegarde automatique dans le jeu, et interagir avec un lit, c'est le seul moyen de le faire. Sauf qu'on n'est pas dans n'importe quel jeu vidéo. C'est évidemment pas si simple que ça. À chaque fois qu'on décide de sauvegarder, il faut choisir. Choisir entre pile ou face. C'est un 50-50. Vous faites le bon choix, la sauvegarde est acceptée, vous ratez, comme moi lors de cette partie, et... c'est pas une bonne nouvelle du tout. Oui, ça fera l'affaire. Voyons, voyons. Tu n'as pas besoin de tes jambes, n'est-ce pas? En tout cas, plus maintenant, c'est certain. Tu n'aimes pas le tremblement de la douleur? Dans ce monde froid, il est difficile de ressentir du plaisir. Mais tu sais, la douleur et le plaisir ne sont pas si éloignés. Ce qui cause de la douleur à autrui peut apporter du plaisir à quelqu'un d'autre. Là où tu vas, tu n'as pas besoin de bras. Et que ça saute. Laisse-moi retirer tes parties sales et coupables. Et que ça saute! Et un nouveau retour à l'écran principal. Parce que j'ai essayé de sauvegarder. Ouais, voilà. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai une réaction d'enfant. Je me suis dit, mais c'est pas juste, en fait. Je ne mérite pas de mourir comme ça. Depuis le début de cette partie, je fais attention à ma santé, à ma barre de faim et de peur. Je prends le temps de ramasser tout ce que je trouve et d'entrer dans chaque nouvelle salle avec prudence. Et là, on m'annonce que je vais devoir recommencer à zéro parce que j'ai essayé de sauvegarder. Soit il y a une chose qui, visiblement, m'échappe et je comprends pas ce que j'ai sous les yeux, soit le jeu est terriblement injuste. Spoiler. Le jeu est terriblement injuste. Est-ce que ça m'a arrêté? Absolument pas. Et je saurais même pas vous dire pourquoi réellement. Je crois pas que ce soit la direction artistique, bien que très jolie, ni même la musique ou l'ambiance. Je crois que c'est surtout le fait que ce donjon me résiste. Comme s'il me criait au visage de ne plus revenir l'explorer, de ne plus lancer de nouvelles parties. Et c'est bête, mais je peux pas m'empêcher de penser que lorsqu'une chose est difficile à atteindre, honteusement surveillée et cruellement bien gardée, c'est qu'elle est forcément précieuse. Non? En tout cas, c'est ce qui m'a donné envie d'envoyer des heures et des heures dans le jeu. Et j'aurais aimé vous dire qu'avec de la détermination, j'ai pu avancer et en sortir victorieux, mais absolument pas. Le jeu m'a piétiné. La run suivante, j'ai simplement marché sur un clou rouillé et je me suis vidé de mon sang. Celle d'après, il y a juste un trou qui s'est ouvert sous mes pieds et ça m'a explosé les deux jambes. Juste après, je me suis retrouvé coincé dans un puits à merde pour l'éternité. Puis j'ai voulu retirer Excalibur de mur et finir enseveli, à nouveau rendu buste parce que je croyais être une assiette en poterie au sol. Je suis mort d'éboulement, de faim, de soif, de décapitation, de démembrement et de tout un tas de choses que je ne peux même pas décrire en vidéo. Vous savez combien d'heures de jeu ont été foutues en l'air dans les 9 dernières secondes de cette vidéo? Beaucoup trop. Beaucoup, beaucoup trop. Honnêtement, à ce stade, le jeu m'a donné mille et une raisons d'arrêter.
Pourtant, j'ai toujours cru que j'aimais profondément les jeux difficiles. Sincèrement, mettez-moi sur une île déserte quelques années avec juste une paire de Dark Souls, un petit Darkest Dungeon et 6 tonnes de Doritos Savers Sweet Chili Pepper et vous ne m'entendrez pas dire une seule fois que je m'ennuie. Mais là, je comprends juste pas. Si ce jeu est supposé être un jeu de rôle, visiblement je joue le rôle de la victime et c'était rigolo au début, hein. Mais se faire oblitérer ses heures de jeu sur un pile ou face, un ennemi random ou un événement aléatoire, c'est juste beaucoup trop cruel. Et très honnêtement, je vous le dis sans avoir les fesses qui claquent, ouais, à ce moment-là, je n'ai plus aucune volonté de relancer une partie. J'ai pas le mental pour ça. Fear and Hunger m'a brisé. Pourtant, Fear and Hunger n'est pas un jeu difficile. Enfin, pas difficile au sens que peut l'être un Dark Souls, c'est pas mécaniquement difficile. La vérité, c'est juste que Fear and Hunger joue avec ses propres règles, un set de règles terriblement cruel, que le joueur n'a aucun autre choix que d'accepter. Une des façons que le jeu a de vous infliger sa cruauté passe par l'aléatoire. Tout est aléatoire dans le jeu. Pas uniquement la sauvegarde, hein. La disposition du donjon est aléatoire d'une partie sur l'autre, les loots, tous les loots sont aléatoires d'une partie sur l'autre. Le seul objet que j'ai l'impression de trouver fréquemment et à des endroits fixes, c'est la Sea House. Et la Sea House est une très mauvaise arme. Même le lore du jeu est révélé aléatoirement. Et quand bien même il est révélé, il le sera de la façon la plus Fear and Hunger-esque possible, c'est-à-dire à demi-mot et en mentant la moitié du temps. Vraiment. C'est un jeu qui renferme des secrets à l'intérieur de secrets qui sont eux-mêmes dans des secrets. Vous pourriez finir le jeu plusieurs fois sans jamais savoir qu'il existe tout un système de cuisine, d'artisanat ou de jardinage. Vous pourriez finir le jeu plusieurs fois sans jamais savoir qu'il existe un système de progression, tout simplement pour apprendre de nouveaux sorts et de nouvelles techniques. Et je crois que tout ça, c'est pas uniquement là pour briser mentalement les joueurs. Il n'y a aucune histoire de vendetta personnelle là-dedans. Ce qui se cache derrière ce game design contre-intuitif au possible, ce qui se cache derrière ce qui pourrait passer pour de la cruauté pure, c'est que Fear and Hunger n'a pas décidé de récompenser ses joueurs avec un chiffre qui augmente, un petit bruit satisfaisant et 3 dégâts en plus au prochain combat. Il a décidé de les récompenser avec de la connaissance, en créant des moments que j'ai scientifiquement appelé le « on ». Mais c'est pour ça en fait. Le clou rouillé par exemple, c'est probablement le truc qui a explosé le plus de mes runs. Choper une infection gratuitement et inévitablement crever quelques minutes plus tard juste parce qu'on a marché au mauvais endroit, c'est incroyablement cruel. Sauf que si vous vous souvenez du fait que nos personnages peuvent perdre leurs membres, si vous vous souvenez que des siaos sont fréquemment disséminés un peu partout à travers le donjon, et si vous vous souvenez du bruit que je vous ai fait écouter en début de vidéo, bah vous comprenez que oh, mais c'est pour ça en fait. Bon, d'accord, je vous l'accorde, c'est dégueulasse, et sur le papier c'est tout con, mais le fait de s'en rendre compte par soi-même, je vous assure que l'espace d'un instant, on croit être un génie. Et c'est franchement plutôt agréable. Surtout que des moments comme ça, Fear and Hunger en fait vivre des dizaines, parce qu'il est là le véritable système de progression du jeu. Le jeu ne cherche pas à briser ses joueurs, il cherche à les former. La plupart du temps via une mécanique d'apprentissage par le décès, oui, et nul besoin de préciser que c'est très peu fonctionnel IRL, mais le moment où on réalise que c'est pas le personnage qui gagne de l'expérience, mais celui qui le contrôle. Que chaque mort est en réalité une montée en niveau détourné, et que ces morts, il faut les chérir plutôt que les maudire, c'est le moment où tout s'inverse. C'est le moment où le joueur se dit qu'il peut, à son tour, briser Fear and Hunger. On est sur ma 29e run. Ça fait précisément 3 semaines que Fear and Hunger me ponce le crâne avec le côté vert de l'éponge tous les jours. Sauf qu'à force de me distribuer des moments de « Oh, mais c'est pour ça en fait !» bah, je commence à la comprendre un peu mieux, cette salle de torture digitale, et cette fois-ci, j'ai un plan. Un plan en 4 étapes. La première, c'est de faire des réserves. Le but, c'est de ne plus jamais avoir à se soucier d'un manque de nourriture. L'idée, c'est de piller l'entièreté de la première section du donjon en évitant toute forme de combat. On fouille tous les tonneaux, tous les coffres, toutes les bibliothèques, on devrait tomber sur pas mal de nourriture, et on devrait aussi tomber sur une cage dans laquelle se trouve la petite fille. Et la petite fille se trouve être la pièce maîtresse de ma deuxième étape, obtenir la meilleure arme du jeu. Cette arme, c'est la Claymore, elle est vendue par Pocket Cat, le marchand itinérant de Fear and Hunger qui se trouve dans les mines et qui n'accepte comme paiement que des enfants humains.
troisième étape, devenir LE meilleur personnage du jeu, et pour ça on va devoir faire un raid sur cet étrange village raciste, délivrer Darcy, la chevaleresse, et l'épouser. Ce qui, dit comme ça, ne doit pas être très clair, mais le mariage dans Fear and Hunger est un concept un peu particulier. En fait, en se rendant sur un cercle de prière et en montrant son amour à un autre personnage, il y a une cinématique que je peux vraiment pas décrire qui va se jouer, et le résultat sera un mariage. Mais pas un mariage dans le sens ils vécurent heureux et eurent 8 enfants, plutôt dans le sens ils vécurent dans le même corps et eurent 8 chromosomes restants. Dans Fear and Hunger, vous ne consommez pas le mariage, vous devenez le mariage. Et le mariage, il tape fort. Encore plus fort, avec la meilleure arme du jeu entre les mains. Maintenant, la seule chose qui lui manque, c'est d'obtenir la meilleure armure du jeu. Et ça, c'est la quatrième étape de mon plan, l'armure de pénitence. Problème, elle est aussi livrée avec des pics internes, prévus pour provoquer une douleur si folle qu'elle empêche le porteur de sombrer dans la folie, et il ne faudra pas plus de 3 minutes à mon perso pour se vider de son sang une fois à l'intérieur. Solution, l'anneau de sang inerte. Un anneau qui empêche toute forme de saignement et qui, pour je ne sais quelle raison, se trouve sur ce gars-là. Et là, uniquement là, on a tout juste assez de puissance pour affronter ce donjon maudit. Pour faire face à tous les ennemis chelous que le jeu nous jette au visage et être insensible à la majorité de ses pièges. Il y a que comme ça que j'ai pu m'en sortir, il y a que comme ça que j'ai pu pour la première fois atteindre le garder assister à mon deuxième moment préféré de Fear and Hunger. Le moment où on se dit que finalement le jeu n'est peut-être pas si cruel que ça, qu'il fallait juste avoir un plan de jeu et s'y tenir. Le moment où, muni de notre belle armure de pénitence, mariage et clé mort, on ouvre la porte de la cellule de le garde et il est décédé. Ok, ce qui se passe en fait, c'est que Fear and Hunger est aussi secrètement un speedrun. En réalité, lorsqu'on pose un premier pied dans le donjon, il y a un chrono qui se déclenche et 30 minutes plus tard, quoi qu'il arrive, le garde décède. Ce que ça veut dire, c'est très simple. C'est que tout ce que je croyais savoir jusqu'à présent, toutes ces étapes que j'ai découvertes et intégrées à ma run pour devenir plus puissant et plus résistant, bah, c'est direction la corbeille. Parce que traverser l'entièreté de ce donjon en moins de 30 minutes, ça veut aussi dire pas de réserve, pas de mariage, pas de clé mort, pas d'armure de pénitence. Il n'y a aucun autre choix que de rush comme un idiot en ne prenant aucune précaution. Et ça, vous savez ce que ça veut dire. Je vais même pas vous dire combien de runs ça m'a pris pour à nouveau atteindre le garde, mais cette fois-ci sans aucune précaution, c'est personnel, je vous permets pas de juger, mais pas mal de runs. Le seul avantage, c'est qu'à ce stade, ce donjon, on le connaît beaucoup mieux. Déjà, on connaît à peu près le chemin pour atteindre le garde, on sait plus ou moins où aller et où ne pas aller, quel combat prendre et lequel absolument esquiver, donc en jouant de la façon la plus lâche possible et avec un peu de chance, j'ai pu une nouvelle fois atteindre le garde. Cette fois-ci, en moins de 30 minutes, et cette fois-ci, il était bien vivant. Et puis de là, bah sur le papier, il n'y a plus qu'à la récupérer dans son équipe, refaire le chemin à l'envers jusqu'à la sortie et GG well played. Sauf qu'à la toute dernière seconde, on est mis face à un choix. Et il y a plusieurs moments dans Fear and Hunger où le joueur est confronté à un choix. Souvent le choix entre la peste et le choléra, entre mourir et mourir lentement, c'est pas un jeu tendre. Mais ce choix-là, il est vraiment pas comme les autres. Au moment de s'échapper, le garde nous dit que sa mission dans le donjon n'est pas terminée et nous propose soit de l'accompagner à nouveau, soit de s'en aller. Et vous pourriez choisir de partir. À aucun moment, le jeu ne vous indique que c'est une erreur. Vous auriez même un écran de fin de jeu et les crédits qui défilent. Vous pourriez Alt F4 et le désinstaller, sans jamais y toucher à nouveau, en pensant en avoir fini avec ce jeu cruel. En pensant avoir battu Fear and Hunger. Mais ce serait une terrible erreur, parce qu'en acceptant d'y retourner, et en accompagnant le garde un peu plus loin dans les profondeurs de ce donjon, il reste un endroit inexploré, un long couloir, au bout duquel se trouve une porte, et derrière cette porte, se trouve beaucoup plus. Le voilà, mon moment préféré de Fear and Hunger. Le moment où tu réalises qu'il existe une gigantesque cité ancienne, peuplée de dieux, de voyages dans le temps, d'ennemis indescriptibles, de nouvelles zones, des dizaines de boss et toute une mythologie. Ce moment où tu réalises que le donjon de Fear and Hunger, le donjon qui t'a donné des cauchemars pendant probablement des semaines, ce n'était que l'introduction. C'était ça, en fait, le tutoriel.
j'aurais aimé vous dire que je suis tombé sur ce jeu sur une disquette dans le vieux garage de mon oncle ou aléatoirement en scrollant sur Steam, soir de solitude, mais ce serait un mensonge. Je suis tombé sur Fear and Hunger parce qu'un de mes créateurs de contenu anglophone préférés, Super Ipatch Wolf, en a fait une vidéo intitulée « Le jeu vidéo le plus cruel ». Et en réalité, je ne crois pas que ce soit un jeu si cruel que ça. En tout cas, c'est pas le ressenti que j'en ai. Je crois qu'en vérité, c'est un jeu plutôt respectueux. Pas respectueux de nos heures de jeu, oula, non, clairement pas, mais respectueux de notre capacité à comprendre ce qu'il nous crie au visage depuis la première minute de jeu. Ce qu'il nous crie au visage en cachant ses propres fonctionnalités, en faisant tout l'inverse de ce que l'industrie du jeu vidéo essaye de faire depuis des années, en sacrifiant des personnages que vous aviez juré de protéger et en vous faisant tout perdre, continuellement, de la façon la plus injuste qui soit et sans aucune pitié. Et ce message, c'est que Fear and Hunger n'est pas un jeu vidéo, et que si vous le voyez comme ça, vous allez être très déçu. Parce que je crois qu'il n'essaie même pas de l'être. Ce que Fear and Hunger essaie d'être, c'est pas un jeu, c'est un simulateur de donjon maudit. Évidemment que si tu sautes dans un trou, tu vas te péter les deux jambes, évidemment. Si t'es infecté jusqu'à l'os, y a pas beaucoup d'autres choix que d'amputer. Et si tu te fais attaquer par un homme lézard de 3 mètres, la meilleure solution, c'est sans doute de fuir. Bien sûr, qu'en tapant une sieste dans un donjon rempli d'ogres, t'as une chance sur deux de te faire croquer, ou que de sauter dans la fosse qui semble dégager une forte odeur fécale, c'est probablement une idée de merde. Fear and Hunger n'essaie pas d'être équilibré, n'essaie pas d'être juste, n'essaie même pas d'être agréable en vérité, et c'est parce qu'il n'essaie pas d'être un jeu vidéo. Il essaie d'être vrai, cruellement vrai, et ça, il le fait cruellement bien.